et bienvenue à tout le monde. Merci d'être là. Madame Sonia Julien, directrice de l'école, vous pouvez être avec nous, à l'extérieur pour le travail. Donc, elle est très désolée. Donc, c'est moi qui fais la petite présentation. Je me présente, Chantal Dupé, directrice adjointe ici à l'école secondaire de Rivieres. Je suis accompagnée de mes collègues, Madame Lefrançois, Madame Sarrazy, on a M. Bonmenu qui est affairé là, au bureau. Donc, bienvenue chez nous. Bienvenue encore aux invités, on va vous les présenter tout à l'heure. Donc, l'École secondaire est très fière de vous présenter ce magnifique projet, ce vœu mobilisateur pour toute l'équipe école. Donc, tout le monde a mis la main à la pâte à ce niveau-là. On rejoint évidemment notre projet éducatif, notre plan de réussite qui est au cœur de la vie d'une école secondaire. Je tiens déjà à féliciter nos élèves qui sont des instigateurs de ce magnifique projet. Je vais vous présenter également tout à l'heure. Et un grand merci à tous les enseignants, les personnes qui encadrent ces élèves-là. Je pense à M. Lavoie, à M. Alain Sirois, enseignant en anglais, de même que Mme Lucie Dumont, qui s'investit beaucoup, qui était très nerveuse ce matin. C'est une première nouvelle également. Alors, merci à nos élèves, merci à toute l'équipe école. Sur ce, je cède la parole à Mme Dumont. SOS4000 to bring public awareness on the shortage of organ and tissue donation all across Canada. J'aimerais remercier les journalistes de leur présence. Je tiens à souligner aussi la présence de nombreux leaders qui ont pris de leur tâche pour être avec nous. Madame Edith Sanson, nouvelle présidente de la commission scolaire de Monsieur Yvan Tardy. Step by step. Monsieur Christopher Knowles pour
Josiane Serrois, Francis Dupont, Jean-Philippe Wallet, initiateur du projet Chaîne de vie. Nos invités spéciaux, bon, Madame Diane Hébert, qui est greffée fondatrice de la Fondation maintenant. Malheureusement, Madame Hébert, pour des raisons de santé, ne peut être présente avec nous aujourd'hui. Cependant, elle a tenu à s'adresser à nous par entremise d'une vidéo que nous présentera Madame Véronique Levasseur avant son intervention en tant que greffée du cœur. Madame Levasseur est originaire de Sainte-Hélène et vit présentement à Montréal. Et nous aurons également, par entremise d'une vidéo, un commentaire du Dr. White de l'Institut de cardiologie de Montréal, et également de Nancy Michaud, qui est infirmière également de l'Institut de cardiologie de Montréal. Madame Nathalie Livard de Saint-Pascal, qui sous peu va avoir besoin d'une greffe pour présenter avec nous et qui va laisser une greffe tout le monde. Madame Diane Tremblay de Québec, auteur et mère de filles d'honneur. Et juste avant la période de questions, je vais inviter notre député, M. Mario Dumont, à nous adresser quelques without further ado, I would like to introduce you Mr. George Marcello, a man who has devoted